Quand est-ce que je vais avoir mon retour de couche et quand est-ce que je dois reprendre une contraception? Alors le retour de couche, ça va dépendre un peu si vous allaitez ou pas. Si vous allaitez, eh bien tant que vous allaitez, en principe, il se peut que vous n'ayez pas de retour de couche. Mais si vous n'allaitez pas, vous pouvez avoir ce retour de couche, ce retour des règles, 4 à 6 semaines après l'accouchement. Donc, durant votre séjour à la maternité, les sages-femmes seront là pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner. Et elles vous prescriront aussi une contraception qu'il faudra reprendre 3 semaines après la naissance de votre bébé. Et de ce fait, on vous conseillera d'attendre au moins un mois avant de reprendre les premiers rapports. Donc la reprise de la sexualité va varier d'un couple à un autre, hein. Mais en attendant, c'est vrai que la maman peut ne pas se sentir aussi vite prête que le papa. Mais ce qui sera important au niveau de votre couple, c'est le dialogue, la communication, ce qui sera très très importante. Il faut savoir que vous allez devenir des parents, que l'arrivée d'un bébé, ben, ça bouleverse beaucoup la vie de couple, mais ça sera vraiment plein de bonheur. Donc vous allez devenir des parents, mais n'oubliez pas aussi que vous êtes toujours un couple. Donc ça sera important de pouvoir prendre le temps quand bébé dort, même en plein milieu de la journée, de se poser, de se retrouver, de dialoguer, de communiquer et de prendre aussi du temps pour vous, de vous faire confiance mutuellement et de faire confiance à votre bébé.